Elle est la star de la soirée, Julia Roberts, radieuse à Cannes. À 48 ans, l'actrice phare d'Hollywood montait les marches du festival pour la première fois. Je ne suis jamais venue ici. C'est un endroit totalement fou. C'est une grande célébration du cinéma. À ses côtés, complice, l'acteur George Clooney, autre icône du cinéma américain. Tous venus présenter hors compétition le dernier film de Jodie Foster, Money Monster. Un thriller qui s'attaque au monde des médias et de la finance. Sortez et tout de suite. Ne croisez pas son regard. Sortez. Lee, reste calme. Je suis là. George Clooney, lui aussi venu dénoncer la politique américaine, un candidat en particulier. Disons les choses simplement, il n'y aura pas de président Donald Trump, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que nous n'avons pas envie de mettre la peur au pouvoir dans notre pays. Une soirée marquée par l'intervention des intermittents du spectacle, invités à prendre la parole sur scène pour défendre leur régime d'assurance chômage. Mais ce soir, retour à la compétition avec le tout dernier film de Ken Loach, I, Daniel Blake.